Chère madame, messieurs, bonjour. Oui, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le 8. Donc, on est le samedi 8 février 2014. Bon, voilà. En fait, je voulais vous prévenir d'une chose, phénomène assez rare qui se passe actuellement. Trois fois une tempête en une semaine, quelques jours. C'est vraiment exceptionnel. Et ce n'est pas qu'au fini. Car celle qui est là, elle s'appelle Dut. 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 Dut veut parler par son caractère pluvieux. Pluvieux, orageux, grêlé et avec les rafales. Ici, on a déjà enregistré une rafale de 85 km à l'heure sur ma commune, à Thoin. Dans les brefs délais, mes amis, chers compatriotes, vous qui dormez encore à l'heure actuelle, moi j'ai pas encore dormi. D'ailleurs, je pense pas dormir encore un petit peu. Je dois faire les vidéos. Sur les vidéos, je peux pas bien. Avec le temps qu'il fait là actuellement, faut que je le mette pour prévenir les gens, les populations françaises et belges. Nord-Pas-de-Calais est touché maintenant, par les crues. Nord-Pas-de-Calais, il y a la Bretagne. Ça va être quoi après? La Belgique? C'est quoi pour un temps bizarre? Non, mais non, on a de la neige en plein mois de décembre, janvier, février, mars. Là, on n'a rien comme neige. On a que de la flotte, et du vent, et de la grêle, et des orages. Comme on a eu un orage c'était le 3 janvier dernier. Vous vous en souvenez? L'orage qui a fait secouer toute la patrie belge. Sans rien avoir lieu. Sans plus tarder, sans la vouloir exhumer, ni jamais faire. C'est cela dit en coupable d'avoir un orage en plein hiver. Là, ça fait quand même quelques orages. On n'a jamais eu ça. Jamais. 2014, ça va être une année chaude. Les étés. De plus en plus chaud, lourd, torride, voire succomber à ces chaleurs. Les vagues de froid qui vont se multiplier. Les vagues de froid sera inexistant. La première à 10 000 a gagné. Les vagues de chaleur sera de plus en plus intense, de plus en plus dur à supporter, etc. Donc, réagissez. Jetez plus les polluants dans l'atmosphère. Terrible. Surtout, ne vous mettez pas à l'association urinaire du gouvernement. Nous sommes évidemment dans ces conflits tels entre l'Union et l'ONU. L'Union, la population européenne. Et l'ONU, l'interprétation, sans problème. Voilà. Mon état, il est super nickel. Je suis bien en forme. Je suis bien en forme, bien sûr. Vous pouvez bien m'imaginer. Je suis bien en forme parce que j'ai le courage avec vous. Vous me mettez le courage. Sachez que nous sommes déjà le 8 février. Nous sommes à la demi du mois déjà. Et vous savez quoi? Ce mois-ci, il se termine le 29 février. On est une année bixextile. On est 2014, donc 10, 14, 18, 22, 26, 30. À chaque 4 années, on a un jour de plus. Donc ce mois-ci ferme le 29 février. C'est la logique des choses.
Oui. Il parle déjà de la tempête de mercredi. Il peut être. Il peut être sévère. Sans exagérer non plus. Sévère, à compassion, hilarante, sans solennellement. Cloué au sol par les avions du F-16. Non, moi je veux pas ça. Moi je veux une Europe unie. Non, pas une Europe unie. Une Belgique unie, l'Europe écartée. Je suis sérieux, vous pouvez en douter. Nous passerons le 85 mai aux urnes pour voter Europe. Moi je vote pour mon parti. Pas parti politique APS, c'est hors de question. Solennellement, nous serons accomplis dans cette totalité du sens. Si jamais on ne vote pas pour le PS, là, le PS coulera sous les façons irrévocables. Mais on peut toujours essayer d'avoir toute la responsabilité dans solennel accompli, sans rien avoir lieu, comme les provinces du Luxembourg, le Hainaut, au Hainaut, ben le Hainaut, vous le savez, c'est quoi les provinces? Enfin, les villes. Nous serons totalement disponibles pour vous aider, vous les êtres humains belges. Par contre, les autres, je ne dis rien ici, mais je n'en pense pas moins. Car ici, le troupeau erre. Ça se dit pas. Moi, je suis pas raciste. Donc, pourquoi exhumer cette complicité avec des gens qui ne seront pas, évidemment, dans l'estoron irrévocable? Désolé de mon langage, mais c'est comme ça. On est en Belgique ici. On fait ça en Belgique, on nous prenne tous les impôts, etc. Et ensuite, les Belges ils meurent de faim. Chaque fin de mois. Vous vous rendez compte? C'est vraiment la totalité. Sans rien y avoir accompli. Sans rien ne valoir avec l'addition totale qui est le gouvernement. Les techs, les SSCB, les entreprises comme les trams, le tramway de la STIB, les bus de la STIB, de Bruxelles plutôt. Ou alors le bus à Bertré, dans le sud du Luxembourg. Par contre, je mettrai une petite vidéo tout à l'heure. Donc faites-moi y penser. Ça sera sur le thème de Marianne Dumont. Je vais essayer de faire une vidéo pour elle, pour qu'elle se souvienne de qui elle m'a connu depuis mon enfance. Marianne Dumont, c'est ma marraine maternelle. On s'est connu que j'avais 12 ans et on est devenu marraine filleule. Voilà, donc rappelez-moi tout à l'heure, donc vers 9-10 heures du matin, je ferai la vidéo pour elle. Comme ça, dès qu'elle est connectée sur sa plateforme de chez elle à Bertry. Bertry, c'était entre Flamanville et Libramont. En fait, Libramont, c'est dans le Luxembourg, à côté de Saint-Hubert, La Roche, tout ce qui est dans les alentours, comme Saint-Othe, Wihr-Merval, l'église, le château, Warmifontein, Arlon, Virton, dans le truc là. Donc voilà. Mes chers compatriotes, je vous souhaite à tous une très bonne matinée. Et merci d'être là chaque jour. En train de m'écouter, parce que là j'ai battu un record de vues sur mes vidéos et je vous en remercie. Surtout à Joe Arnaud et Joe Arnaud, la légende.
Il dit, je t'embrasse. Accepte. Joseph. Fais jouer. Jerken, je vous embrasse aussi. Arrête, je suis tout seul. Que vous êtes des amis fantastiques sur YouTube. Et j'ai hâte de continuer ces vidéos avec vous. Quitte qu'on se rencontre une fois tous les trois et qu'on fasse une live totale délire ensemble derrière son écran. Et derrière une webcam à trois. Giovanni, Joseph, je vous aime. Mon cœur résiste encore, donc je vous aime à tous. À tout à l'heure, vers 10, 11 heures. Comptez plutôt vers 14 heures. Comme ça sera sûr. Allez, au revoir mes chers madame, messieurs, dames, et très bonne fin de nuit à tous, et bonne journée. Bye bye.